Salut à tous, c'est Pete Gamer, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. En fait ça va être une vidéo, en fait ça va être une course. En fait c'est juste une petite course rapide et simple. En fait c'est juste une course en fait qui permet de se téléporter dans certains endroits, lieux secrets dont on peut pas aller. Comme bon, bah on peut atterrir dans le garage avec la voiture, dans un de nos garages. On peut atterrir comment ça s'appelle, dans le truc un petit peu interrogatoire, là où on choisit nos personnages au début de GTA Online. Donc après, bon, cela ça dépend des endroits où on tombe ou quoi que ce soit et tout, donc faut chercher pour trouver. Donc je vous laisserai chercher un petit peu. Je vais vous montrer comment on a le garage. Après, on peut pas rester dans le garage, mais. Donc je vous laisserai trouver un peu les endroits intéressants de cette course. Donc la course, c'est celle qui se trouve juste derrière moi. Donc pour vous allez sur le Social Club et vous tapez Teleporting Line. Et donc vous tomberez sur cette course-là. Donc voilà. Ensuite, cette course-là, elle apparaîtra dans tous vos garages et une fois dehors, enfin dehors sur la map et autrement dans tous vos garages, elle sera. Donc vous avez juste à aller dessus, lancer l'activité, enfin la course. Voilà, bon bah voilà, je suis tout seul, je vais juste mettre un tour. Allez, rapide. Allez, on va mettre le jour pour voir un peu mieux. Hop, on va y aller tout seul. Donc voilà, je voulais présenter cette petite vidéo là. Vous voyez, bon, déjà là on est déjà dans le garage avec le véhicule déjà. Donc bon bah ce compte là, hein, forcément il n'y a pas grand chose. Au pire on va changer un petit peu. Oh non, on va garder la voiture qu'on a d'habitude. Voilà. Donc voilà, on va lancer l'activité, donc il n'y a pas de départ et tout, hein, c'est vraiment. On lance et c'est parti, c'est plus pour rigoler que faire vraiment la course. Parce qu'en plus, voilà, elle est relativement simple, la course. Vous voyez, on part direct. Donc j'ai pas essayé de visiter un peu plus loin, j'ai pas essayé d'aller voir à gauche, à droite, s'il y avait d'autres endroits accessibles ou quoi que ce soit. Donc après à vous d'essayer de voir ce que vous pouvez faire de plus sur la map. Donc ici déjà ça commence, faut quitter, enfin il faut respawn. Une fois respawn, vous allez tomber dans le vide, voilà. Donc là après voilà, on a juste le wallride à prendre. Le wallride, à la fin du wallride, on va tomber dans le garage, hein, vous voyez, c'est tout bugué. Hop, si on va sur la droite, on reste bien en haut pour pouvoir avoir ici le garage. Voilà, là on va respawn dans le garage. Et là on va sortir en fait, et voilà, en fait ça va nous faire revenir dans la course. Vous voyez, on reste pas longtemps, mais bon, c'est le fait marrant de pouvoir rentrer, d'être rentré quand même dans le garage comme ça en pleine course. Après vous allez respawn aussi près de l'arrivée, il n'y a plus qu'à finir la course et donc voilà quoi. Donc après à vous de voir les endroits qui peuvent être accessibles avec cette course là et voir voilà s'il y a d'autres endroits que le garage et tout. Donc faut explorer un petit peu, hein, je pense, mais je pense qu'il y a vraiment d'autres endroits qui peuvent être sympas, elle peut être sympa à travailler un petit peu cette course, donc voilà. Donc bah si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et si vous avez des petites idées sur des choses que je pourrais faire sur ma chaîne qui pourraient vous plaire ou quoi que ce soit, bah surtout n'hésitez pas, hein, et moi je ferai de mon mieux pour vous satisfaire et pouvoir faire un maximum au mieux pour les abonnés. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, je vous dis ciao ciao!